Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, hein, bienvenue pour ce tirage de vendredi 15 octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies. Donc, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour vos petits retours qui me font toujours très plaisir. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent maintenant, qui m'ont découvert récemment. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc nous allons démarrer un petit peu avec l'oracle du quotidien, voir un petit peu ce qui là vous dire pour ce vendredi. Allez, quel petit message pour nos amis pour ce vendredi 15, s'il vous plaît. Allez, petit message pour ce vendredi 15. Allez, je vais procéder à la coupe. Hop. Voilà, nous avons le petit message qui est tombé. Enseignement et formation au rendez-vous. Alors, il y a peut-être question pour certains d'entre vous de faire une formation, de faire une remise à niveau, de faire une réorientation, hein, pourquoi pas. On vous parle d'enseignement et de formation qui est au rendez-vous. Donc, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances, de vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc ça peut être des enseignements, des formations. Cherchez aussi même sous toute forme, hein, même sur Google. Voilà, en fait, on peut se servir aujourd'hui aussi de tout ce qu'on a en notre possession, des réseaux pour chercher des enseignements ou pour chercher aussi toute autre chose, tout ce qui vous intéresse, en tout cas les ouvrages. Voilà, en tout cas, voilà, c'est simplement enseignement, formation sont au rendez-vous ou simplement vous êtes en train de vous faire des recherches sur quelque chose qui vous passionne pour prendre peut-être une autre orientation, peut-être professionnelle. Voilà, en tout cas, on voit peut-être des formations qui vont s'ouvrir à vous, peut-être par rapport à peut-être une belle occasion là aussi à saisir. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu l'enseignement, les formations, voilà, c'est s'instruire aussi sur quelque chose qui peut-être vous intéresse. Allez, aujourd'hui nous allons prendre, je vais prendre l'oracle lumière. Je vais chercher le nom. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je ne sais plus si je vous l'ai demandé. Voilà. Ben moi ça va un peu. Il fait un petit peu froid maintenant. Ça y est, on approche du mauvais temps. Après, vraiment, on n'a pas eu vraiment trop d'été dans les Hauts-de-France. On verra l'année prochaine. Allez. Après, je sais que vous, certains d'entre vous, ont le soleil constamment, toute l'année. Quelle chance, hein? Voilà. Allez, on vous parle ici de chance. Une chance à saisir, d'une opportunité. Tout simplement, vous êtes peut-être aussi en période de chance, les amis. Allez, chance sur vos désirs. Une occasion à saisir. C'est peut-être quelque chose de vos désirs, hein, que vous voulez peut-être, vous désirez peut-être quelque chose pour retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. On voit qu'il y a la clé de destin, ce sont des propositions. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour votre destin. Donc peut-être une opportunité à saisir au niveau travail, par rapport peut-être à une activité aussi. Mais on voit que c'est peut-être inattendu, quelque chose qui vous tombe dessus. Hein, qui vous arrive sans effort à fournir, mais en tout cas, voilà, ça vous annonce l'harmonie, peut-être des sentiments, si c'est au niveau sentimental, ou des événements qui se succèdent, mais vraiment des coups de chance, hein, des occasions à saisir. Il y a quand même ce foyer, donc ça peut être aussi une occasion pour construire sa famille, son foyer. En tout cas, on a la clé du destin, donc c'est quand même une belle carte.
On va voir ensuite si j'ai d'autres messages pour vous. Donc, ça nous parle quand même d'avoir une expérience, avoir mûri aussi. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement pour certains. Donc, on a la guérison. Et puis, on a quelque chose qui arrive de nouveau ici. Hein. Donc, il y a la clé du destin. Ce sont des ouvertures, des possibilités. Allez, je vais remettre un petit message, voir un petit peu. Voilà, on va pouvoir voir nouveaux horizons. C'est bonne nouvelle aussi. Qui sont au rendez-vous. Allez, je vais mettre les cartes qui viennent de tomber. Le dos de deck, ce sont des nouvelles. Voilà, des nouvelles pour votre épanouissement. Donc, ce sont des bonnes nouvelles parce que on a quand même la carte de l'été qui annonce toujours la réussite, le soleil. C'est les périodes chaudes, mais on n'est plus en été, mais c'est aussi la pleine possession de ses moyens. Parce que le fait de réussir, et puis on va se montrer sous un nouveau angle, cette période de fruits, une période de chaleur et de bien-être. Hein. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent qui vont vous redonner le bien-être et qui vous apporte quand même une certaine réussite. Hein. La carte de l'été, c'est la réussite aussi. Hein. Donc, belle occasion à saisir pour certains d'entre vous, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui se rapproche le plus des questions que vous vous posez. Hein. Donc, c'est une opportunité au travail qu'on pourrait avoir donc sur l'activité professionnelle, mais c'est quelque chose qui vous tombe dessus, peut-être sans effort, puisque voilà, c'est la chance, hein, c'est une opportunité. Donc, la sexualité, bon, ça se réfère aussi à la sexualité, mais la sexualité, c'est aussi vos désirs. Tout ce qui vous passionne, tout ce que vous désirez, ben en fait, voilà, on a cette chance aujourd'hui, ça vous est tombé dessus, mais sans rien demander. Hein. Donc, c'est vraiment aussi découvrir aussi quelque chose de nouveau, mais c'est aussi c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de plaisir. Voilà, c'est quelque chose de... c'est quelque chose de puissant, mais quelque chose d'agréable en tout cas, ou voilà qui a affaire aussi à un certain bien-être, au bonheur, voilà. Pour d'autres, on verra si ces nouvelles rencontres, ben on va vraiment être à la découverte de soi, à travers son corps, aux cinq sens, au plaisir, voilà que peuvent vous procurer aussi dans votre intimité. Alors, il y a peut-être une construction, donc quelqu'un qui va vous donner une certaine stabilité. On nous parle de foyer, ça pourrait aussi vouloir dire que c'est positif aussi sur le plan de l'équilibre. Donc, on voit que c'est une bonne entente dans le couple, une belle stabilité matérielle et émotionnelle si c'est un nouveau travail. On voit que c'est aussi peut-être construire quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est vraiment peut-être fonder une famille ou on envisage peut-être de fonder sa propre famille, sa propre maison. On est peut-être aussi en train de faire des projets de construction. De construire sa vie, donc sentimentale, hein, sa vie bien sûr de couple. Hein. Pour d'autres, on verra qu'il y a une stabilité qui revient par rapport à une opportunité qui arrive pour vous au niveau travail. Donc, elle indique une période charnière de votre vie. On voit qu'il y a une belle transformation pour vous importante et que de ce fait, on doit prendre cette décision. Mais c'est aussi une chance à saisir. Donc, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est le jour de la chance. Voilà. Et puis, ici, on a le choix, mais on a le contrôle. Vous avez le contrôle sur votre destinée, je pense. Hein. Bon, je pense qu'on a assez de maturité. La vieillesse, ça se réfère à toutes les expériences qu'on pourrait avoir dans la vie. Ça peut être parce que vous êtes peut-être pas non plus des genoux. C'est aussi synonyme de grand vécu et de sagesse. Pour d'autres, on verra que c'est la fin d'un cycle proche parce qu'il y a des choses, des sentiments qui ont été passés, des choses qui ont été usées, qui se sont terminées et que là, il y a une nouvelle chance pour vous, d'autres opportunités qui arrivent. Donc, ça nous annonce bien un déménagement. Déménagement parce qu'on a quand même la maison, donc peut-être que certains vont peut-être déménager. Le déménagement, ça annonce aussi toutes sortes de plans transformation. Ça indique aussi pas mal de changements, peut-être un changement d'environnement, changement de vie, changement de travail, en tout cas, c'est vraiment la chance pour vous. Alors, du coup, on a la guérison parce qu'on va retrouver, la guérison. Vous voyez, c'est la carte de la guérison, c'est les énergies. On va être de nouveau en pleine possession de ses moyens, de son moral, de son, comment je pourrais dire, moral, énergie, moral et tout, l'énergie déjà, c'est pas mal. C'est bénéfique aussi sur le plan santé psychique. Voilà, c'est vraiment ici la fin des épreuves et c'est plutôt un rétablissement des situations. Hein, voilà, que ça
ça soit physique ou psychique. C'est vraiment, on va arrêter de se battre ici. On va plutôt se laisser aller à un certain bien-être général. On va bien se sentir parce qu'il y a des choses positives qui arrivent pour vous, ce qui va vous permettre de tourner certaines pages de votre vie, puisque on vous annonce que vous allez avoir des horizons nouveaux. Donc c'est une carte qui est aussi positive, hein, puisqu'elle représente aussi de nouvelles situations, que ce soit professionnelles ou affectives ou familiales, peut-être un projet aussi d'avenir ici, et puis on voit qu'il y a vraiment une amélioration et une évolution très bénéfique. Hein, voilà. Donc c'est vraiment les choses qui arrivent, mais vraiment satisfaisantes. Épanouissance, en tout cas une belle évolution dans le domaine concerné. Des choses qui arrivent avec rapidité. Voyez, on vous annonce quelque chose qui arrive avec rapidité et on vous dit que vraiment c'est une chance. Vous avez la carte de la chance, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé, c'est la carte de la protection ici. Hein. Et les récompenses, ben, c'est une gratification, c'est quelque chose qui vous arrive par faveur, donc ça peut être plus de rentrée d'argent. Ça peut être l'abondance d'amour, hein, parce que vous avez trouvé peut-être la personne de votre vie, quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour. C'est une carte bénéfique, elle apporte toujours une belle gratification, une récompense, que ça soit affectif ou professionnel, quelque chose qui vous fait plaisir, mais également plaisir de faire plaisir et de se faire plaisir, puisqu'on voit que vous allez être récompensé et qu'il va y avoir des récompenses peut-être sous forme gratifiante au niveau pépette, au niveau argent, mais aussi affectif. Hein, voilà. Donc, on a ces nouvelles favorables, vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous aujourd'hui. Donc, c'est positif, les amis. Alors, j'avais des cartes qui s'étaient retournées. Je fais un petit peu de ménage. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur, voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. Alors, j'ai des cartes, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes, mais elles sont un petit peu mises n'importe comment. Regardez ma coupe. On nous parle d'un couple, peut-être d'une nouvelle rencontre. On nous parle, regardez, consultant, consultante. C'est marrant, hein? Voilà, c'est la coupe. Donc peut-être une union, hein, peut-être une construction à deux. Si vous venez de vous rencontrer, ben voilà, vous êtes côte à côte, donc vous allez aller dans la même direction. Allez, petit message, s'il vous plaît. C'est un peu trop. Non, c'est trop, je ne les prends pas. Allez, petit message, s'il vous plaît. Allez, on va nous parler de féminine, donc des choses qui se sont arrangées. Il y a peut-être des malentendus, il y a du pardon, on dit qu'il y a du pardon par rapport à une féminine ou par rapport à un masculin, puisque vous vraiment vous transposez si c'est vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Allez, on vous dit que prochainement, il va y avoir du pardon dans l'air. Voilà, il y a une déclaration d'amour et il y a des choses qui s'arrangent. Hein, donc peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser quand même. Vous attendiez peut-être que cette personne vous fasse une déclaration d'amour aussi, mais on voit que là, vous êtes satisfait ou satisfaite puisqu'on a le pardon parce qu'il y a cette déclaration d'amour qui arrive. Hein. Allez, petit message, s'il vous plaît. Allez, voilà, c'est peut-être ce qui vous manquait parce qu'on voit que y a pas, c'était pas le bon moment, que voilà, il était un petit peu dans votre cœur, il était un petit peu, voyez, dans le brouillard, un petit peu avec un peu de nuage parce que vous saviez pas à quoi vous en tenir. Aujourd'hui, on voit que les portes sont ouvertes, donc c'est une belle opportunité. Il y a peut-être des projets à deux aussi. Voilà, parce qu'on vous dit que l'amour est en train de progresser. Et aujourd'hui, ben, pour vous, vous étiez un petit peu dans le brouillard. Et aujourd'hui, on vous dit que du coup, ça vous fait du bien. Il y a des choses qui s'arrangent puisque vous attendiez peut-être cette déclaration d'amour. Voilà, aujourd'hui, il y a des opportunités. La porte est ouverte. Et pour moi, il y a une progression dans votre vie pour les célibataires. Tout simplement. Pour les couples, on verra qu'il y a peut-être aussi eu quelques
des petites difficultés que vous avez pu rencontrer, on vous dit que bon, l'amour est toujours là, que ça s'arrange et que vous êtes en progression de toute façon. Donc on est plutôt dans le ressenti, donc dans des bons, ces bons ressentis, c'est très bien. Donc pour moi, je ne vais pas en remettre, c'est positif. Voilà, donc c'est un beau tirage pour ce vendredi. Allez, on va aller voir quelques messages des archanges, des anges pour ce vendredi 15 octobre. On nous parle de surmonter, je suis désolée, des difficultés. Donc c'est encore positif aujourd'hui, mais ça c'est super, hein. Voilà, bon, vous allez peut-être pouvoir respirer aujourd'hui. Alors déjà, on vous conseille quand même de plein air, hein, c'est-à-dire l'archange Ophiel vous demande de sortir, de prendre le temps, de prendre l'air frais et entrer en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Mais on voit que vous allez de toute façon surmonter les difficultés. On voit que le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc c'est positif, vous voyez, il y a c'est un beau tirage aujourd'hui encore, hein, voilà, donc on va peut-être apprendre des choses, c'est peut-être des nouvelles qui arrivent en tout cas. En tout cas, bonne nouvelle, bon présage, bonne énergie pour aujourd'hui encore. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours en tout cas, ça me fait toujours très plaisir. Et plaisir d'ailleurs de vous répondre, je réponds toujours à tout le monde. Merci, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Surtout prenez soin de vous, hein. Voilà, en tout cas moi je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà, plein de réussite, plein de bonheur. C'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite d'ailleurs.